Première chose à faire, change ton mindset. Ok, change ton mindset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrête de vouloir toujours dépenser ton argent dans des passifs et de penser plutôt à comment je peux investir mon argent. Donc d'ailleurs, tu sais plus le même mot, c'est plus dépenser, c'est comment je peux investir dans des actifs. D'accord, les actifs, c'est quoi? C'est toi, c'est l'immobilier, c'est la bourse. Voilà, c'est les classiques, mais c'est pas de réinventer la roue. C'est acheter des business. Voilà, tout ce qui en gros va te permettre d'avoir de l'argent qui va rentrer. D'accord? Donc les actifs, ça te ramène de l'argent, les passifs, ça te fait perdre de l'argent en fait, tout simplement. Donc à partir du moment où tu sors une pièce de ta poche, si jamais tu la sors et que tu vois qu'elle revient jamais, c'est que c'est un passif, il faut pas acheter ça, tout simplement. Deuxième astuce pour pouvoir maîtriser l'argent, c'est de toujours avoir du cash. Ça veut dire quoi du cash? Pourquoi? Parce que le cash, il est roi. Donc tu peux investir, mais attention de pas vider tout ton compte. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas vider tout ton compte pour pouvoir, par exemple, acheter cash un immeuble, alors que par exemple, tu aurais pu l'acheter avec l'effet de levier du crédit, etc., mettre juste une partie, peut-être même rien mettre du tout, ce qui se passe, c'est que tu perds ton cash. Et le cash, en fait, il est roi, parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir avoir besoin d'un financement pour quelque chose, les gens vont regarder, ok, combien tu as sur ton compte, tu vois. Donc à chaque fois, si jamais tu as toujours ton cash, même si tu ne l'utilises pas, d'accord, le fait que tu aies ton cash, ça fait, ok, lui, c'est quelqu'un qui maîtrise son argent, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et donc là, après, les banques sont susceptibles de pouvoir te prêter à chaque fois si jamais tu veux investir ou si jamais tu as une bonne affaire, si tu veux acheter une entreprise, etc. Troisième astuce pour maîtriser son argent, c'est de budgétiser chaque chose. Alors, je sais qu'au début, c'est relou à mettre en place, mais une fois que c'est fait, d'accord? En gros, il faut que tu aies à peu près 40-50% pour tes dépenses récurrente, d'accord, donc c'est ton loyer, manger, etc., que tu aies au moins 10% de fun, d'accord, 10% pour pouvoir t'amuser, 10% d'économie pour pouvoir pallier aux éventuels problèmes que tu peux rencontrer, d'accord, parce que souvent les gens, tu leur dis, par exemple, je te dis, vas-y, je te donne 10 000 euros, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je suis sûr, je reviens dans quelques mois après, oui, j'ai eu un problème, j'ai utilisé pour ça, machin, etc., en gros, tu n'as plus d'argent, tu vois, donc c'est important d'avoir 10% pour en mettre de côté pour les problèmes que tu peux rencontrer, comme ça tu puises là-dedans. 10% pour les investissements long terme, par exemple, si jamais tu vas acheter une entreprise, etc. Donc là, je suis à combien, on est à 90%, je sais même pas combien, mais en tout cas, tu as compris le principe. Après, c'est pas une loi figée, c'est pour que tu comprennes. Voilà, tu budgétises comme ça, au moins, quand tu as tes 10% de fun, tu vas pouvoir dépenser sans te dire « Ah mince, je fais une bêtise » ou avoir des remords. Parce que voilà, chaque chose est budgétée, au moins c'est simple, c'est carré et tu es sûr d'avancer vers tes objectifs. Quatrième astuce, c'est une fois que tu as fait ces budgets-là, l'idéal c'est de retirer l'argent en cash, d'accord, donc en billets, et de les mettre dans des enveloppes. Comme ça, par exemple, si jamais tu sais que c'est l'enveloppe fun, à chaque fois que tu veux sortir au restaurant ou faire quelque chose, tu prends ton enveloppe fun. Et là, je peux te dire que quand tu vas voir les billets sortir, ça va te calmer déjà. Et deuxième chose, quand ce sera fini, ce sera fini. Ton enveloppe, elle est finie, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de fun. Donc, ça sera après à toi de gérer ton fun durant le mois. Et si tu es trop frustré, d'augmenter tes revenus pour avoir un pourcentage, pas pour avoir un pourcentage plus élevé, mais pour avoir plus de cash, puisque tu prendras toujours 10% de ce que tu touches.